Eh bien, je pense qu'on peut commencer le grand tour de ce midi avec un sujet bon, qui est connu de certains, mais pas de tous. Je pense que l'équipe de M. Pirnet et de Sarah Djebara va nous en apprendre plus sur l'utilisation des phages en Belgique, puisque on a la chance d'accueillir les experts du domaine. Alors, Sarah, dis-nous tout sur l'utilisation des phages. On va essayer. Donc, merci pour l'invitation. Voilà, donc on va commencer par un petit rappel historique. On va parler un petit peu ensuite d'immunologie et de physiologie des phages. Puis on va vous parler du cadre législatif en Belgique et du cadre qui nous permet d'utiliser activement les phages. Et puis on va parler de cas cliniques. Donc voilà, la découverte des phages, elle s'est faite il y a plus d'un siècle par deux chercheurs de manière presque simultanée, donc Frédéric Tuart, qu'on voit à gauche, un microbiologiste anglais, et puis Félix Derelle, à droite, qui est vraiment considéré comme le père de la phagothérapie. C'est lui d'ailleurs qui, le premier, utilise le terme de bactériophage lorsqu'il traite à l'hôpital Necker des enfants qui souffrent de dysenterie Shigella. Et donc, il va prendre en fait les selles d'enfants qui sont en voie de guérison, et il va les mélanger avec une culture de bactéries de patients qui sont fraîchement atteints. Et puis, il va voir apparaître des plages de lyse, en fait, donc des plages plus claires. À l'époque, il n'y a pas de microscope électronique, donc il voit qu'il se passe quelque chose. Il pense que c'est plus petit qu'une bactérie, donc il pense à quelque chose de viral, et c'est lui qui va donc utiliser le terme de bactériophage. Donc, à la suite de cette découverte, il va y avoir d'autres séries de patients traités avec plus ou moins de succès, notamment des cas de peste en Égypte et des cas de choléra en Inde. Alors, ce qui va se passer, c'est que très peu de temps après, il va y avoir la découverte par Fleming de la pénicilline, qui évidemment va mettre un petit peu, pas à l'arrêt, disons à l'arrêt dans les pays occidentaux, les recherches sur les phages, mais Félix Derelle va partir en Géorgie avec un de ses étudiants, fonder l'Institut Eliava qui existe toujours aujourd'hui. Et avec la guerre froide, ben, comme vous savez, donc on va continuer les recherches sur les antibiotiques côté ouest, et côté est, on va se concentrer sur les bactériophages. Et puis, on va en reparler après, mais avec les phénomènes d'antibiorésistance qui sont de plus en plus conséquents, et le peu d'options thérapeutiques par antibiotiques, eh bien, on va les redécouvrir, et je vous expliquerai un peu la petite histoire, pourquoi est-ce que ça s'est passé à l'hôpital militaire. Alors, juste un petit graphique un peu sympathique sur l'histoire du choléra et les eaux du Gange en Inde. Donc, déjà au 19e siècle, il y avait des observations qui voyaient en fait, en fonction des districts géographiques à travers le Gange, on voyait des différences dans les cas détectés de choléra. Et on pensait que les eaux du Gange avaient effectivement un effet plus ou moins bénéfique. Et alors là, on peut un petit peu le comprendre parce que quand vous voyez ces graphiques, vous voyez donc que quand les populations de phages sont prédominantes, eh bien, il y a moins de cas détectés de choléra. Et donc, on peut imaginer que ces eaux qui sont riches en phages ont peut-être eu des vertus thérapeutiques. Et donc, on peut suivre ainsi vraiment l'épidémiologie, par exemple, du choléra. Alors, on va venir quand même sur la définition d'un phage. C'est quoi un phage? En fait, c'est le virus des bactéries. C'est le prédateur naturel des bactéries. Ça veut dire que partout où il y a des bactéries, il y a forcément ces virus et forcément ces phages. Ils ont un rôle prépondérant dans le contrôle de ces populations bactériennes, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, on serait entouré partout d'un énorme, énorme biofilm. Il y a plus ou moins 10 phages pour chaque bactérie. C'est l'entité biologique la plus importante au monde.
Les phages sont extrêmement spécifiques de leur hôte. Vous allez voir que c'est à la fois un grand avantage par rapport aux antibiotiques, mais aussi un inconvénient. On y reviendra un peu plus tard. La structure de base du phage, elle est un peu toujours la même. C'est une capside protéique qui entoure un matériel génomique qui peut être de l'ARN, de l'ADN simple, double brin. En ce qui concerne la phagothérapie, les phages appartiennent à l'ordre des Codoviridés. Vous allez voir un petit peu, je vais vous montrer une image pour illustrer cela. Et donc, cet ordre Codoviridé possède plusieurs morphotypes. Alors, cette classification, elle est un peu remise en question parce qu'elle ne correspond pas vraiment à la classification, par contre, génomique des phages. Donc, voilà à quoi ça ressemble un phage. Et vous voyez aussi sa taille au microscope électronique. Donc, évidemment, les phages, on a pu les voir que dans la fin des années 40 avec la découverte du microscope électronique. Et donc vous voyez donc cette capside protéique avec le matériel génomique qu'elle renferme à l'intérieur et puis cette taille qui est plus ou moins grande, plus ou moins contractile. Et puis vous voyez ici à la fin des zones, des fibres d'amarrage qui vont permettre l'absorption des phages sur la bactérie de manière assez spécifique. Donc ils vont utiliser des protéines bactériennes comme récepteur, c'est très important ce contact entre la bactérie et le phage parce que c'est de là qu'on va voir les plus importants phénomènes de résistance. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, ici c'est simplement pour illustrer. Ici vous voyez à l'extrême gauche, donc ces différents morphotypes. Alors, les cycles de vie des phages, donc il y en a plusieurs, mais on simplifie ici, je vous en parle de deux. Alors d'abord, le cycle lytique. Donc, comme vous voyez ici, le phage va s'adsorber via des récepteurs spécifiques sur la bactérie. Elle va injecter son matériel génomique et elle va forcer la bactérie à produire des virions. Et après une certaine période de latence, il va y avoir une lyse bactérienne et une libération de ces virions qui vont pouvoir infecter d'autres bactéries. Vous imaginez le potentiel de pouvoir d'amplification et le potentiel de croissance exponentielle des phages, à condition qu'ils aient les bonnes conditions physico-chimiques, qu'il y ait une densité bactérienne suffisante pour pouvoir aller à la rencontre d'autres bactéries. Donc ça, ce premier cycle lytique donc, que vous voyez à gauche, en fait, c'est vraiment les phages qu'on utilise en thérapie. Ce sont des phages qui utilisent un cycle qu'on dit strictement lytique. À l'opposé, on a un autre cycle qu'on appelle lysogénique. Et donc là, après injection du matériel génomique, en fait, il va y avoir une intégration de ce matériel dans le chromosome bactérien avec une possibilité de transmettre ce matériel génomique phagique aux cellules filles bactériennes. Et puis, dans certaines conditions physico-chimiques, certains stress, il va y avoir un passage de ce cycle lysogénique vers ce cycle lytique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas contrôler, on ne sait pas quand va se passer ce passage vers un cycle lytique, et c'est pour ça qu'on ne veut pas utiliser des phages avec des cycles lysogéniques. L'autre raison, c'est qu'il peut y avoir aussi une transmission, donc vous voyez qu'il y a ce matériel génomique qui est transmis aux cellules filles, mais ce matériel génomique, il peut renfermer des gènes de résistance, des gènes de virulence, des gènes de toxines, et donc c'est pour ça en fait qu'on n'utilise pas, en tout cas pour le moment, parce qu'on ne sait pas encore contrôler ces phages lysogéniques. Alors oui, peut-être juste une chose. Donc la diminution de la population bactérienne par les phages, donc elle va dépendre de plusieurs facteurs. On va déjà peut-être pouvoir en parler ici. De la capacité d'infectivité des phages, donc leur capacité d'absorber des bactéries et d'aller retrouver des populations cibles bactériennes, du ratio donc bactéries-phages. Donc on a pu montrer par exemple que quand on donne trop d'antibiotiques et qu'on a une diminution trop importante des bactéries, ça peut être délétère pour le cycle de réplication phagique. Le nombre de progénies, c'est-à-dire le nombre de phages qui va être libéré par ces bactériophages, le taux de croissance bactérien et les conditions physico-chimiques, et puis aussi l'élimination des phages par le système immunitaire inné et adaptatif. On va y venir tout de suite maintenant. Donc, quel est l'intérêt et l'apport des phages et leur interaction avec le système immunitaire?
Donc, comme vous le savez, partout où il y a des bactéries, il y a des phages. Et évidemment, on a plusieurs microbiotes, dont le plus important, est le microbiote intestinal. Quand on regarde ce microbiote, on regarde en fait, il y a une portion importante de virus, et 90% de ces virus sont en fait des phages. Et ils vont agir en fait de plusieurs manières pour nous protéger. Donc, une des manières, c'est qu'il va y avoir une installation d'une couche de phage sur la couche muqueuse juste au-dessus des cellules épithéliales. Donc, via des IgE-like domaines qu'on trouve sur la capside, ils vont venir vraiment s'installer et s'amarrer sur des protéines de type mucine et ainsi vont empêcher la pénétration de certaines bactéries. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a aussi des phénomènes de transcytose et d'exocytose à travers cette couche de cellules épithéliales et qui rendent possible le passage de ces cellules phagiques au niveau systémique. Et donc quand on fait des analyses métagénomiques du sang, on découvre qu'effectivement, il y a du génome viral et du génome phagique en particulier. C'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est un concept assez intéressant parce que très souvent, on dit que les phages ne sont pas capables d'infecter des cellules de type eucaryote et de simplement pouvoir infecter des cellules procaryotes, c'est-à-dire le règne bactérien de manière générale. Mais on voit qu'en fait, cette théorie est un tout petit peu mise à mal, puisqu'ici, il y a un passage possible par les cellules épithéliales. Cela dit, ça reste juste un passage, il n'y a pas vraiment de réplication à l'intérieur de ces cellules. C'est aussi quelque chose d'important, on en discutera peut-être un peu plus tard, par rapport à la capacité que les phages ont d'atteindre des pathogènes qui ont des cycles intracellulaires. Alors, donc, il va y avoir effectivement cette couche protectrice et puis ce passage, effectivement, des phages à l'intérieur au niveau systémique. Donc, ils peuvent être seuls ou bien dans le cadre d'une infection, ils peuvent être, entre guillemets, accompagnés de la bactérie. Et ce passage au niveau sanguin, il va aussi permettre de stimuler certaines cellules de l'immunité. Donc, on va parler d'abord peut-être de l'immunité innée. Tout d'abord, pour rappeler qu'en fait, les macrophages hépatiques et spléniques sont ceux qui sont responsables de la neutralisation et de la destruction des phages. C'est là qu'on voit, quand on fait des études, les titres les plus importants de phages. Donc, il y a aussi une possibilité pour les phages d'aider le phénomène de phagocytose, par exemple grâce à une opsonisation des bactéries par les phages qui sont plus facilement reconnus. Il y a aussi une stimulation des toll-like récepteurs par ce qu'on appelle les PAMPS, donc les Pathogen Associated Molecular Pattern, qui peuvent être des résidus d'ADN ou d'ARN viral et qui vont venir les stimuler. Et c'est par exemple par ce phénomène qu'on a une réponse phagique qui est intéressante pour des propriétés antitumorales et aussi des propriétés qu'on recherche comme immunité adaptative pour la réponse vaccinale. Et donc, c'est aussi par ce biais-là, par tous ces biais-là, par toutes ces interactions, qu'on voit qu'il y a aussi des stimulations plus ou moins importantes de cytokines pro et anti-inflammatoires. On estime que, de manière générale, en phagothérapie, on a plutôt un effet immunomodulateur qui va vers l'anti-inflammatoire. Donc, pas de la même façon qu'un AINS, mais on a déjà montré dans certains phénomènes de sepsis qu'on a une augmentation de l'IL-10, un effet sur les IL-1RN et un effet sur la phosphorylation de la voie NF-kB. Donc, tout ça est assez intéressant au niveau de l'immunité adaptative, mais comme je l'ai dit, donc on a une stimulation des toll-like récepteurs via l'interféron de type 1, et puis on peut avoir une augmentation de ces toll-like récepteurs et les cellules B vont être activées et on va avoir effectivement une augmentation d'anticorps antiphagiques. D'ailleurs, par exemple, il y a certains patients
patient, quand on mesure ces activités ou ce qu'on recherche des activités d'anticorps antiphagiques avant le traitement, eh bien, certains en possèdent déjà. Par exemple, je pense à certains phages anti-E. coli. Ben on peut imaginer qu'avec ce microbiote intestinal, on peut avoir, avant, dans sa vie, rencontré certains phages et développé une immunité. Mais maintenant, on parlera un peu plus tard dans les cas cliniques, l'importance de cette immunité. Est-ce que vraiment elle a un impact clinique ou pas? Par exemple, là, je voulais juste vous montrer quelque chose d'intéressant par rapport au phage. Donc là, ici, c'est un pseudomonas qui possède en fait un prophage, donc un phage qui s'intègre dans le chromosome bactérien et qui est un phage filamenteux qu'on appelle filamenteux. Et donc, c'est un facteur de virulence, vous allez le voir. Donc, en fait, il y a une cellule ici immunitaire qui va internaliser ce prophage. Il y a des toll-like récepteurs 3 qui vont être produits. De l'interféron de type 1 va être également produit. Et comme résultat de tout ça, il va y avoir une diminution de la capacité de phagocytose contre ce pseudomonas. Donc, vous voyez que les bactéries sont capables d'utiliser les phages aussi comme facteur de virulence. Ça, c'était juste pour illustrer encore un petit peu mon propos. Alors, qui dit administration de phages et donc de particules virales dit forcément apparition de mutations et de résistance. Donc, il y a plusieurs possibilités de résistance. On va le voir de nouveau dans des cas plus pratiques, comme ça, je pense que ça va être plus facile à comprendre. Mais donc, dans les phénomènes de résistance, celui qui est le plus important, c'est l'apparition de mutations sur les récepteurs aux phages, sur les bactéries, comme je vous l'ai dit. Il y a des shifts, il y a des phénotypes, des shifts phénotypiques également, par exemple sur le DNA girase. Il y a aussi une autre possibilité de stimuler l'immunité adaptative bactérienne avec des CRISPR-Cas. Mais ça, c'est quelque chose qui a un coût très, très important pour la bactérie. Et vous allez le voir, c'est quelque chose qui arrive rarement quand on utilise de manière aiguë. C'est différent quand on utilise de manière prolongée avec le même phage, qu'on utilise le même phage en thérapie. Alors là, effectivement, on peut voir de tels phénomènes. Mais en général, c'est plutôt la sélection de mutants avec porteurs de mutations sur les récepteurs phagiques que l'on va voir. Alors, de quoi va dépendre cette phagorésistance? Eh bien, effectivement, du taux de mutation. Ça va dépendre évidemment de la population bactérienne et phagique et de sa diversité. Ça va aussi dépendre des nutriments et donc de la capacité de la population bactérienne de grandir et de croître. De cette capacité va dépendre aussi évidemment la croissance phagique et la fréquence de génération de mutants résistants. Il va aussi y avoir toute l'écologie infectieuse, donc la complexité de la communauté microbienne, puisque comme je vous l'ai dit, il va y avoir des contraintes spatiales, des contraintes de viscosité qui vont faire que les phages vont plus ou moins être capables d'interagir avec les bactéries et d'aller chercher leur cible. Et évidemment, toutes ces mutations ont plus ou moins des coûts. Et donc, comme je l'ai dit, celle qui a le meilleur, entre guillemets, rapport qualité-prix, c'est la mutation pour la bactérie, c'est la mutation qui va vraiment intéresser les récepteurs, les mutations qui vont intéresser les récepteurs. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est de savoir que plus le génome du phage va être grand, plus il va avoir une capacité, en fait, de rebondir et d'arriver à développer de nouveaux mutants qui vont devenir de nouveau, qui vont rendre de nouveau sensibles les phages aux bactéries qui étaient devenues résistantes. Ces phénomènes, en général, ils ont lieu dans des biotopes et pas vraiment dans des contextes, on va dire, infectieux au niveau humain. C'est plutôt quand on est dans un contexte je ne sais pas, de lac ou d'océan ou quoi que ce soit, un autre biotope en tout cas. En thérapie, c'est quelque chose de moins évident. Alors, il y a aussi un paradigme qui est très intéressant, c'est celui de la coévolution. En fait, il va y avoir une espèce de course à l'armement entre le phage et la bactérie. Et donc, cette course à l'armement, donc où il va y avoir des mutations phagiques auxquelles vont répondre des mutations bactériennes, etc., etc., il va y avoir une dynamique au cours du temps.
Au début, on va avoir beaucoup de résistance, à la fois d'apparition de résistance, mais d'allèles aussi qui permettent aux phages d'être plus infectieux. Et puis ensuite, au fur et à mesure, quand on met les populations bactériennes et phagiques ensemble, on va voir que cette dynamique va diminuer parce qu'elle a un coût de plus en plus important. Cela étant dit, de manière un peu étrange, c'est plutôt au début de cette relation qu'on voit le meilleur contrôle de la population bactérienne par les phages. Alors, l'idée en fait d'utiliser les phages, ce n'est pas d'éliminer complètement la bactérie. Donc, il faut imaginer que le virus, il n'a pas ce virus, il n'a, ces phages n'ont pas vraiment intérêt à ce que la bactérie disparaisse complètement, puisque si la bactérie disparaît complètement, lui finira par disparaître assez rapidement. Donc, l'idée, c'est de diminuer cette pression de sélection et d'aussi pouvoir compter sur le système immunitaire et le microbiote. Donc, par exemple, il y a des modèles d'infection à Pseudomonas. On a pu montrer le rôle très important des neutrophiles, justement quand donc les phages au début sont capables de diminuer la population bactérienne, puis évidemment il y a des populations bactériennes qui deviennent mutants et qui deviennent résistants aux phages. Et le rôle des neutrophiles, par exemple, pour terminer d'éliminer cette infection, est totalement essentiel et a été déjà prouvé. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a pu montrer, et on en parlera aussi dans des cas concrets cliniques, que ces mutants qui deviennent résistants aux phages, eh bien, en fait, ils peuvent avoir une virulence qui est moins importante. Et encore plus, ils peuvent même permettre la resensibilisation envers des antibiotiques auxquels ils étaient résistants au départ, tout simplement parce que ça leur coûte de devenir, les bactéries, ça a un coût de devenir résistant aux phages. Et donc, on peut avoir des phénomènes de resensibilisation. Ici, je vous en cite un, mais qu'on a pu nous-mêmes observer dans nos cas où, en fait, on a par exemple un phage qui utilise la pompe à efflux comme récepteur. Et donc, il va y avoir des bactéries qui vont devenir effectivement mutantes et cette mutation va permettre de rendre cette pompe à efflux complètement inefficace à des buts d'antibiorésistance par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. Ça vient aussi à ce concept qui est très important, de plus en plus important dans la littérature, c'est la synergie phage-antibiotique. Donc c'est la possibilité de voir les populations bactériennes d'autant plus contrôlées qu'elles sont en contact des phages et des antibiotiques, et ça par plusieurs phénomènes. Un des phénomènes les plus importants, c'est l'élongation, la filamentation par les antibiotiques des bactéries va permettre d'augmenter la sensibilité de ces bactéries au phénomène de lyse phagique. Ça, c'est une chose. Les antibiotiques aussi, avec les phages, sont capables d'accélérer et d'amplifier le phénomène de lyse phagique et de même augmenter la progénie, d'augmenter le nombre de virions qui vont être libérés. On diminue le taux de résistance, taux d'apparition de résistance de mutants qui sont résistants aux antibiotiques ou aux phages. Comme je l'ai dit, on a une possibilité dans certains cas de voir des bactéries qui deviennent sensibles de nouveau à des antibiotiques auxquels elles ne l'étaient plus. Ça permet de diminuer les concentrations minimales inhibitrices de certains antibiotiques. Et un autre phénomène qui est très 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 important, c'est la possibilité par les phages, par certaines polymérases et certaines enzymes, d'avoir la capacité en fait de détruire les polysaccharides, les couches polysaccharides des bactéries. Et c'est très important par exemple dans les phénomènes de biofilm. D'ailleurs, il y a des modèles où on utilise de manière séquentielle les phages pour cette activité de dépolymérase qui vont permettre en fait d'augmenter la diffusion et la pénétration ensuite des antibiotiques et qui vont même permettre de rendre métaboliquement actives des bactéries puisque vous savez qu'elles sont à l'état quiescent et dormant dans certains biofilms, dans les biofilms, pardon, et c'est ce qui les rend aussi moins sensibles aux antibiotiques et en les rendant actives, les phages permettent aussi aux antibiotiques de mieux fonctionner.
Ça, c'est juste pour vous montrer et vous expliquer en une DIA, en fait, le concept de phagogramme. Ben, c'est un peu comme l'antibiogramme. Le principe, c'est de pouvoir tester des phages sur des bactéries potentielles cibles que l'on veut traiter. Et donc, en fait, le principe, c'est d'avoir, ça s'appelle, la méthode s'appelle double agar overlay. Donc, l'idée, c'est d'avoir une boîte de pétri sur laquelle on met de l'agar, donc il y a un milieu nutritif. Et puis, on prend un milieu bactérien dans lequel on va ajouter une certaine quantité connue d'agar de nouveau, et puis on va mettre en série des différentes concentrations de phages. Et puis on va mettre tout ça ensemble, on va regarder le lendemain, et on va regarder en fait les plages de lyse. Et on va pouvoir regarder les plages de lyse jusqu'à une certaine concentration. Donc vous voyez à gauche que on a des lyses assez confluentes et on voit que le phage est probablement actif, alors que à droite le phage est probablement inactif parce qu'on voit très vite on ne voit plus de plages de lyse. Alors ça vient juste à parler donc pour ceux qui liront peut-être des phagogrammes juste de ce qu'on appelle efficient of plating. Donc ça c'est ce qu'on écrit sur nos phagogrammes. Donc en fait c'est un titre, c'est un ratio entre l'efficacité, la lyse, l'efficacité de lyse en fait du phage sur une bactérie cible par rapport à l'efficacité de la lyse du phage sur une bactérie que l'on connaît, qui est la bactérie hôte, sur laquelle on sait que le phage est particulièrement efficace puisque c'est sur cette bactérie qu'il a été propagé. Et en général, on estime qu'il faut des EOP, au moins des efficient of plating, au moins égal, oups, pardon, à 0,1. Les autres concepts, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, finalement, on a effectivement pas mal d'avantages pour utiliser les phages. Donc, comme je le disais, ils sont très hôtes spécifiques. Donc, ils vont vraiment infecter de manière spécifique certaines bactéries. Donc, ça veut dire que si vous avez un phage anti-pyo, ça ne veut pas dire qu'il va marcher avec tous les pseudomonas, tous les sérotypes, tous les isolats de pseudomonas. Certainement pas. Alors, c'est très intéressant parce que ça permet de maintenir le microbiote, qui est quand même quelque chose de fondamental, qui va permettre d'éviter la colonisation et l'infection par certains pathogènes résistants. Et donc, le maintenir, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais maintenant, vous imaginez que si on est face à un patient sceptique et qu'on veut pouvoir, comment dirais-je, cibler énormément, avoir un spectre assez large anti-infectieux, bah, utiliser un phage, ça va pas du tout marcher. Donc, ce concept, il n'est pas valable, il n'est pas possible à utiliser dans toutes les situations. Même si on peut utiliser des cocktails, on en parlera un peu plus tard. Il y a très peu d'effets secondaires. Bah, en fait, comme vous l'avez compris, en fait, on nage tous dans un océan de phages. Il n'y a pas de phénomène allergique à proprement parler. Il y a un phénomène d'auto-réplication, comme vous avez vu, et d'auto-amplification. Il y a des phénomènes de co-évolution avec, comme je l'ai dit, des possibilités de resensibilisation vers des antibiotiques et aussi des diminutions des phénomènes de diminution de virulence, des possibilités de pénétration du biofilm. Alors, ils sont actifs, comme je l'ai expliqué déjà, quand on a des grandes densités bactériennes, un peu de manière opposée peut-être aux antibiotiques. Et ils sont assez faciles, on découvre de manière assez facile les phages. Donc, il suffit en fait d'aller trouver des eaux usées. Par exemple, on va aller à la sortie des soins intensifs, on prend un peu d'eau usée, on va probablement trouver la population bactérienne et la population phagique dans ce matériel. Il y a des possibilités de synergie phage-antibiotique. Il y a aussi des possibilités, on va le voir dans les cas pratiques, je le rappellerai, d'antagonisme et de dyssynergie. Donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et c'est pour ça que maintenant, on recommande vraiment de tester cette synergie phage-antibiotique. Vous pouvez imaginer, par exemple, ça a été montré avec un phage anti-staph, que si on utilise de la rifampicine où il y a une RNA polymérase, ben, on va être embêté parce que le phage va être, la croissance du phage va être diminuée. Ce n'est pas valable pour tous les phages. Si le phage est porteur de sa propre RNA polymérase, il n'y aura pas de souci. Ça dépend aussi de la quantité et ça dépend de la voie d'administration. Mais voilà, il faut absolument pouvoir tester cette synergie phage-antibiotique. Et puis, ça pourrait permettre de diminuer la quantité d'antibiotiques que l'on utilise. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Ben, ça, je pense qu'on vous l'a dit déjà.
Déjà, Brice Lailleux vous en a parlé il y a quelques semaines. On a un problème d'antibiorésistance qui n'est pas juste un problème lointain, c'est un problème que les cliniciens rencontrent de plus en plus. Et donc, c'est pour ça, en fait, que les phages sont revenus à l'ordre du jour, entre guillemets, comme outil potentiel, comme outil complémentaire, évidemment, aux antibiotiques. On ne va pas jeter les antibiotiques demain. Et donc, je pense que cette image aussi vous avait été montrée. Vous voyez qu'on n'est pas égaux face à l'antibiorésistance. Cela étant dit, on estime quand même que en 2050, on va mourir plus probablement d'une infection à germes multirésistants que d'un cancer. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Alors en fait, juste pour la petite histoire, à ce qui s'est passé à l'hôpital militaire, ben c'est que déjà il y a une vingtaine d'années, en fait, les cliniciens des Grands Brûlés avaient déjà, en fait, commencé déjà à avoir des problèmes avec certaines infections. Et en fait, ils sont allés trouver les chercheurs du lab MCT, dont Jean-Paul Pirnet, Daniel DeVos et d'autres, pour leur parler de ces problèmes. Et donc c'est comme ça, en fait, que les choses ont un peu commencé à l'hôpital militaire. C'est vraiment une chouette collaboration entre les chercheurs fondamentaux et les cliniciens. Et donc, l'équipe de Jean-Paul a travaillé à un cadre législatif parce que le problème, c'est qu'il y a eu une décision légale et européenne de dire qu'il ne fallait pas de cadre spécifique pour les phages. Le problème, c'est que les phages, on ne peut pas les traiter de la même manière, on ne peut pas les étudier de la même manière qu'un antibiotique ou comment dirais-je, ou qu'une aspirine, parce que ça ne fonctionne pas de la même manière, ça mute, les populations mutent et. Par le moment, si vous commencez à faire des études de phase 1, 2, 3, 4, assez classiques en pharmacologique, bah vous verrez que les phages que vous allez sortir au bout de vos 5, 10 ans d'études, bah ils ne seront probablement plus à l'ordre du jour entre guillemets, ça servira un petit peu à rien. On est plutôt dans un cadre et un besoin, on a besoin de personnaliser en fait cette thérapie, de pouvoir la porter de manière assez spécifique pour répondre justement à ce caractère spécifique des phages. Et donc en 2008, l'hôpital militaire a commencé à retraiter à traiter des patients dans des cas très sélectionnés, sous l'égide de la déclaration de l'article 37 de la déclaration d'Helsinki, pour finalement mettre au jour, pardon, un cadre législatif d'utilisation des phages à travers une préparation magistrale. Donc l'idée, c'est de pouvoir, hop, on parlera ensuite de phage thérapie en 2035. Donc ça a été accepté en 2018. Donc l'idée, c'est d'avoir une banque de phages avec des phages qui sont bien caractérisés. On va y revenir dans un instant, au niveau génomique notamment. Et puis de pouvoir tirer de cette banque ce qu'on appelle un ingrédient pharmaceutiquement actif, qui va être produit selon un monographe. Et tout ça va être contrôlé par un laboratoire extérieur. Ici, c'est le laboratoire de Sienzano qui contrôle à la fois tous les batchs qui sont produits, mais qui va contrôler aussi tous les phages, les caractériser au niveau génomique, s'assurer qu'il n'y a pas de phages avec des cycles lysogéniques, s'assurer qu'il n'y a pas de gènes de virulence, de résistance qui peuvent être transmis, de toxines. Et puis, qui va aussi regarder la préparation, être sûr qu'il n'y a pas d'endotoxine, s'assurer du pH, de tout ça. Et quand tout ça est fait, eh bien, on peut commencer à prescrire des phages pour notre patient, après avoir fait par exemple un phagogramme, pour vraiment cibler et savoir exactement quel phage on veut pour notre patient. Et puis, on va demander à un pharmacien hospitalier, eh bien, de le diluer ou de le mélanger à une préparation, un hydrogel par exemple. Donc ça, c'est Maya Merabichvili, c'est une de nos chercheuses qui s'occupe de recherche fondamentale, mais qui fait aussi la préparation, les préparations et la production dans des clean rooms. Je pense que Jean-Paul peut-être pourra vous en dire un mot si ça vous intéresse ensuite. Et comme je l'ai dit, donc c'est vraiment Sienzano qui approuve en fait les batchs, donc les batchs qui sont produits et qui va caractériser, qui va donner toutes les caractéristiques de chaque phage. Voilà, je vais pas. Donc comme je l'ai dit, il nous faut des phages strictement lytiques. Il faut pouvoir identifier chaque phage, mesurer le titre, le pH, les niveaux d'endotoxine, les autres facteurs de pyrogénicité, d'autres protéines. Voilà.
Alors, ça nous en vient finalement à parler de la pratique. Donc, déjà en 2008, il y a eu une première petite étude pilote, donc sur des patients brûlés, où en fait, on a pris quelques plaies qu'on a divisées entre guillemets en deux. Et sur la moitié, on a appliqué un traitement standard, et sur l'autre moitié, on a mis une fois des phages. Il y a eu 9 patients qui ont été enrôlés. Il n'y a pas eu d'effet secondaire, mais par contre, il n'y avait pas d'efficacité, probablement parce que le temps d'inclusion était très très grand et que du coup, les patients étaient déjà sous antibiotiques et sous d'autres préparations anti-infectieuses qui faisaient que effectivement, probablement, il n'y avait plus assez de bactéries pour pouvoir permettre aux phages de se développer. Ensuite, il y a eu un cas assez intéressant en 2017 du premier patient en fait, qui a été traité en monothérapie simplement avec des phages. C'est une histoire un peu particulière. Donc, c'était un patient d'une soixantaine d'années avec un choc septique et une CIVD qui avait été amputé et qui avait développé en fait des escars qui se sont rapidement infectés avec une septicémie avec un pseudomonas XDR qui était uniquement sensible à la colistine. Pour de mu multiples raisons, le patient avait une contre-indication à être dialysé. Donc la colistine tout seul, de toute façon, c'est toujours un choix pas terrible, mais là, ça l'était encore moins. Et donc, c'était une situation un peu désespérée. Et donc, le patient a reçu en monothérapie des phages pour une durée de 10 jours et il a reçu aussi au niveau local des phages. Et donc ici, vous pouvez voir que le patient est sorti de son choc septique, il a récupéré sa fonction rénale et il est sorti entre guillemets d'affaire une première fois. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il a fait un choc septique avec un germe pour lequel à l'époque, on n'avait pas de phage et donc le patient a fini par décéder. Alors, je vous parle de cette étude, on dira un mot sur les RCT dans quelques instants. Mais donc, PhagoBurn, c'est une étude randomisée, contrôlée, multicentrique, où plusieurs équipes qui s'occupent de patients brûlés ont participé, dont l'hôpital militaire. Donc, c'est une étude européenne qui a reçu, je pense, des fonds européens. Et ça n'a pas trop fonctionné. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une grande partie du budget a été dédiée à la production de phages selon les modalités GMP, donc Good Manufactured Product. Donc, ça a pris la quasi-totalité du budget. Et le problème, c'est que le produit final était de piètre qualité, en ce sens que les titres de phages étaient largement infrathérapeutiques, et qu'en plus de ça, le phage qui était finalement produit, quand on faisait des phagogrammes sur ces pseudomonas, parce qu'il s'agissait d'infections à pseudomonas, eh bien, dans la majorité des cas, les phages n'étaient pas valables et ne fonctionnaient pas, le phagogramme était négatif. Donc, on a utilisé des phages à un titre insuffisant et des phages en plus qui ne fonctionnaient pas. Et donc, voilà. Alors, en fait, en 2017, on a essayé ensuite de construire en fait un centre de coordination en phagothérapie. Et puis, on a essayé de comprendre qui demandait des phages et pour quelle indication. Donc, ici, on a quelques chiffres qui sont assez intéressants. Et vous voyez qu'à San Diego, il y a une équipe qui a eu aussi un peu la même démarche, qui a fait un peu la même chose. Et donc, vous voyez qu'ici, on a 249. On a analysé les 249 demandes qu'on avait à cette époque-là. Et pour répondre à ces 249 demandes, il aurait fallu être capable d'avoir des phages pour 31 espèces bactériennes. C'est vraiment énorme. Et vous imaginez que si on doit suivre les voies classiques, GMP, etc., ça veut dire qu'en plus, on doit tenir compte de la super spécificité des phages. Il faudrait des dizaines de phages par espèce. Et en plus des études qui durent très 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 longtemps, en sachant que quand les études durent longtemps, on aura probablement un produit qui ne sera déjà plus valable comment dirais-je, traiter ces patients. Et donc tout ça est très compliqué. Et quand on voit ici un peu l'état et le nombre d'études de type RCT,
qui s'intéressent au phage, ben, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, quand vous voyez ici, il y a seulement 8 espèces bactériennes qui sont représentées dans ces études. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas encore au stade de recrutement ou qui sont maximum au stade 2 ou qui ont tout simplement été abandonnées. Beaucoup d'études sur les pieds diabétiques et un peu sur les infections respiratoires pour les mucos. Évidemment, les pieds diabétiques, c'est quelque chose qui est intéressant vu le nombre de patients qu'on pourrait, on pourrait traiter. Donc, je pense que c'est évidemment pour ça que les gens s'y intéressent. Ici, c'est juste un schéma, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est comment fonctionne notre coordination. Donc, il faut simplement pouvoir nous envoyer un mail au pt@mil.be. Et puis ensuite, on analyse les dossiers et puis on décide si oui ou non c'est une bonne indication. Puis on demande des échantillons bactériens sur lesquels on va faire des phagogrammes. Et puis ensuite, on va décider d'un plan thérapeutique avec le patient. Il y a aussi la possibilité d'utiliser de manière empirique quand on a des cas urgents, des cas septiques qui ne peuvent pas attendre un phagogramme, on est capable de pouvoir vous donner des phages tout de suite, entre guillemets. On l'a déjà fait d'ailleurs à l'hôpital Delta. Alors voici, ici on a notre papier qui est en cours de revue, qui revoit un peu les 100 premiers cas qui ont été traités via notre hôpital. Alors, on voit que la majorité des patients sont des patients belges. Donc ça, je pense que c'est vraiment le cadre législatif qui a permis cette avancée quand on voit, quand on regarde par rapport aux autres pays. On a 63 médecins qui ont travaillé avec nous. Je pense qu'on a 35 hôpitaux et 12 pays. Donc c'est quelque chose d'assez colossal à organiser. On a, je pense, 14, au moins 14 espèces bactériennes qu'on a dû, comment dirais-je, cibler. On a comme indication, la première indication, c'est les infections respiratoires, suivies par les infections cutanées. Il ne faut pas oublier qu'on est un centre de Brûlé, donc forcément, on a pas mal de demandes de ce point de vue-là. Les infections osseuses sont aussi très fortement représentées, avec une grande collaboration qu'on a avec l'équipe à Leuven. Les infections ORL sont aussi vraiment une infection pour laquelle on reçoit beaucoup de demandes. Les septicémies, et puis quelques infections prothétiques, orthopédiques et des infections abdominales. En haut, vous avez juste le cadre législatif représenté. Donc, vous voyez qu'évidemment, avec l'avènement du cadre de préparation magistrale et le fait qu'on a de plus en plus de patients belges, c'est ce cadre qu'on utilise de plus en plus. Donc, pour traiter ces patients, cette centaine de patients, il nous a fallu 26 phages, dont 13 qu'on a entraînés. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans un autre cas qu'est-ce que ça veut dire entraîner un phage. On les a souvent utilisés en cocktail, en combinaison. C'est aussi une, entre guillemets, une parade pour essayer d'éviter l'apparition de mutants résistants. Dans 70% des cas, on a utilisé en combinaison avec des antibiotiques les phages. Donc on a utilisé évidemment le standard thérapeutique plus les phages. On a vu qu'on avait une amélioration clinique dans 77% des cas, avec une éradication microbienne dans 61% des cas. On a quelques effets qui ont été rapportés. Ça reste des effets qui sont très, très minimes. À savoir, par exemple, les premiers jours, on peut avoir un petit peu de fièvre, on peut avoir, quand on a des applications locales, un petit peu de rougeur. Ça peut être lié au fait qu'il y a une lyse bactérienne importante et ça peut arriver aussi avec les antibiotiques. Et donc, de relargage d'endotoxines, forcément, et quelques effets, effectivement, secondaires liés à ça. Donc, on a l'apparition, comme je l'ai dit, de phagorésistance in vivo. Donc, ça, je vais vous montrer d'autres chiffres. Et on a pu aussi étudier, dans certains cas, la synergie phage-antibiotique. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que finalement, on a un odds ratio de 0,3. Donc, 70% de patients traités avaient une probabilité d'éradication moins importante si on n'utilisait pas de manière combinée les antibiotiques.
On peut en rediscuter plus tard, si vous le souhaitez. Donc, effectivement, comme on l'a dit, on a l'apparition de mutants résistants, parfois de manière assez rapide. Et cela dit, même quand on utilise des cocktails de phages, ça peut totalement arriver. Encore une fois, il faut essayer de comprendre, parce qu'on a clairement des cas pour lesquels on a des phagorésistances, mais pour lesquels on a finalement eu un bon résultat clinique. Et donc, comme je l'ai dit, on peut avoir des mutants qui deviennent phagorésistants, mais qui peuvent avoir une virulence qui est diminuée. Donc ça a été montré sur certains de ces patients, sur lesquels on a fait des tests de virulence avec des larves d'un modèle qu'on appelle Galeria Melonella. Et donc on a pu voir qu'effectivement, les larves qui étaient infectées par ces mutants devenus résistants aux phages avaient un taux de survie qui était supérieur aux autres, comment dirais-je, aux autres. Aux larves qui étaient affectées par la bactérie de départ. Comme je l'ai dit, la résistance est principalement la sélection de ces mutants résistants, et quand on analyse génomiquement, on a des résistances vraiment sur les récepteurs, on a des résistances de type polymorphisme nucléotidique, des délétions de gènes qui codent pour des récepteurs aussi sur le DNA gyrase, qui est une topoisomérase bactérienne. En fait, on a plus souvent l'impression qu'on voit des sélections de ces mutants résistants plutôt que l'induction de résistance et de mécanismes de résistance de type CRISPR-Cas, comme je l'ai dit, parce qu'encore une fois, ce genre de résistance coûte trop cher à la bactérie, et on les voit plutôt quand on est dans des modèles où la bactérie a été en contact de manière chronique avec le même phage. Alors là, à ce moment-là, on peut voir ces mécanismes de résistance. Alors la synergie antibiotique, on la voit très très souvent, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut tester de manière assez systématique, parce que parfois on peut voir des dyssynergies, voire des antagonismes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à tester, comme par exemple avec la rifampicine, la tobra ou d'autres. Voilà, dès qu'il y a une atteinte de la RNA polymérase, de la fonction ribosomiale, etc., on peut avoir un impact sur le phage lui-même. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a mesuré chez ces patients? On a mesuré l'apparition d'anticorps antiphages, donc de l'immunisation. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des sérums de patients tout au long du traitement, et même à la fin et après, pour voir si ces anticorps persistaient. Et en fait, on a pris les sérums de ces patients qu'on a mis en contact avec une concentration connue de phages, et puis on a mesuré la diminution de ce titre de phage en pourcentage, et c'est ce qui est représenté ici. Comme vous le voyez, ça peut apparaître aussi de manière assez rapide, mais très souvent, en fait, ça a peu d'impact. Ça apparaît d'autant plus de manière rapide qu'on utilise des concentrations fortes, et surtout des voies d'administration invasives, comme la voie d'administration par voie intraveineuse. Mais finalement, on a très peu. On pourrait expliquer parfois que peut-être dans certains cas, on a moins d'efficacité à cause de ces anticorps, mais en général, on utilise les phages de manière assez aiguë, et pas en chronique, et pas de manière répétée. Donc je dirais qu'on n'est pas très très embêté la plupart du temps. Et puis donc, comme je l'ai dit, on a quand même, sur les 26 phages, on a dû entraîner 13 de ces phages. Donc vous comprenez à quel point la thérapie et la spécificité est importante. Qu'est-ce que ça veut dire entraîner? C'est à travers une méthode qu'on appelle la méthode Appelmans, donc où on va rechercher en fait les mutants qui ont l'air d'être qui font les plages de lyse les meilleures en fait. Et puis en fait, on va les remettre en culture avec les populations bactériennes, et on va répéter ce schéma aussi longtemps qu'il le faut pour voir apparaître des mutants de plus en plus sensibles en fait à la bactérie cible, avec comment dirais-je, un taux d'apparition de résistance très faible, et pour un MOI très faible. Un MOI, c'est le rapport bactérie. Alors là, je vais finir en vous parlant de deux cas assez emblématiques qui illustrent bien un peu tous les questionnements
dont je viens de vous parler maintenant. Alors, le premier cas, c'est un petit garçon de 1 an qui a été traité par l'équipe pédiatrique à Saint-Luc. Donc, c'est un petit garçon qui avait une atrésie des voies biliaires, qui venait d'Algérie et qui a été transplanté ici, à l'hôpital Saint-Luc, et qui, après quelques semaines, a développé une septicémie à point de départ abdominal avec des abcès hépatiques, avec un pseudomonas qui est d'emblée XDR, sensible uniquement à la colistine. Donc le patient reçoit évidemment tout un cocktail d'antibiotiques, mais il est de plus en plus instable au niveau hémodynamique, il septicémie tous les jours, il y a des hémoques positives, il va de plus en plus mal et on le met aux soins intensifs. Et donc à ce moment-là, on nous appelle en disant que en fait, l'équipe est complètement coincée, ne sait pas trop quoi faire. Et donc là, c'est un bon exemple. On a commencé d'abord de manière empirique un traitement avec le cocktail de phages qu'on avait entre guillemets à l'époque. Et assez rapidement, en fait, au bout de 2 jours, je pense, de 48 heures, il va arrêter de septicémier. Il va y avoir aussi, on va aussi essayer d'injecter en intra-abdominal les phages, mais malheureusement, c'est pas très bien toléré, donc ça va être vite arrêté. Mais par contre, on va continuer la thérapie intraveineuse par phage pendant 86 jours jusqu'à ce qu'il ait un nouveau, comment dirais-je, un nouveau foie. Mais entre-temps, en fait, donc, il se stabilise assez rapidement. On a juste dû augmenter, je crois, au bout de je crois qu'au bout d'une semaine, donc au bout de 2, 3 jours, on n'avait plus d'hémoque positive. Puis au bout d'une semaine, on en a eu de nouveau deux paires, je crois. Et donc là, à ce moment-là, on a augmenté les doses de phage. On est monté à 2 millilitres par kilo. Et puis ensuite, on n'a plus comment dirais-je, d'hémoculture positive. Cela étant dit, il y avait toujours ces abcès et il y avait quand même encore, évidemment, un syndrome inflammatoire. Mais ça lui a permis de sortir des soins intensifs et de pouvoir attendre son nouveau foie. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on a pu analyser cet isolat, concentré donc un avant l'administration des phages et les autres durant la première semaine de traitement par les phages. Et quand on a regardé ces isolats, on a trouvé en fait qu'il y en avait quatre qui étaient résistants aux phages auquel au départ le pseudomonas était sensible. Quand on a fait l'analyse génomique, on a vu qu'effectivement, il y avait, comment dirais-je, une résistance sur les pili de type 4 qui sont utilisés, donc qui ont été utilisés par le phage comme récepteur et qui sont aussi un facteur de virulence. Donc on a essayé de comprendre, on s'est dit, ben, tiens, c'est bizarre, on a effectivement cette phagorésistance, mais pourtant le patient va mieux, tout va mieux. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un phénomène de phage-induced virulence trade-off, donc de diminution de virulence par la thérapie, par les phages? Donc on a pris ces isolats, on a ce beau modèle de Galeria Melonella. Mais on n'a pas trouvé de différence entre ces isolats et la première bactérie qui était encore sensible au phage. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de diminution de virulence. Mais cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'au final, les isolats que l'on retrouve, on ne sait pas exactement quel impact clinique ils ont. Peut-être que ceux qui étaient le plus importants au niveau clinique ont été éliminés par les phages et ont été éliminés par le système immunitaire et les bactéries, tout ça ensemble. Et donc, ce n'est pas impossible que quand même il y ait eu quand même ce phénomène de virulence trade-off. Et l'autre chose aussi, c'est que tout, je perds. Oui, il y avait quand même une différence de virulence entre les populations bactériennes qui venaient des abcès et celles qui venaient des hémocultures. Et donc, on peut quand même s'imaginer, il y avait une plus grande virulence donc des populations bactériennes dans les abcès. Mais donc, ces populations étaient forcément moins en contact avec les phages. Et donc, peut-être que quand même, il y avait cette diminution de virulence peut s'expliquer quand même par un mécanisme de virulence trade-off. Ensuite, pour ce petit patient, on a testé la synergie antibiotique. Et donc, vous voyez ici la courbe en bleu. Je ne sais pas si on voit le curseur ou pas. Mais donc ici, la courbe en bleu, ça, c'est quand on ajoute le phage plus l'astréonam ici.
Donc, vous voyez que la population bactérienne, elle est vraiment inhibée, et ce, pendant plus de 72 heures. Donc, vous voyez que c'est mieux quand on fait phage tout seul ou antibiotique tout seul, très, très clairement. Pareil pour la colistine et pareil pour le PNM. Donc, tout ça peut aussi expliquer qu'on a un outcome qui est plutôt positif chez ce patient. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que chez ce patient, malgré les 86 jours de traitement, on n'a pas été capable de trouver d'anticorps chez lui. Donc, c'est probablement lié au fait qu'il avait une lymphopénie constante, il était sous tacrolimus, évidemment, il était greffé, donc il était sous tacrolimus et sous corticoïdes. Et en plus, ça reste un petit enfant d'un an, un an et demi, avec une immaturité de son système immunitaire inné et adaptatif. Alors, un autre cas très, très, très intéressant qui a été traité à Erasme par Anaïs Eskenazi, c'est le cas donc de cette jeune femme de 30 ans, donc c'était au moment des attentats à Bruxelles, et qui a eu un défect très important de sa hanche et de son fémur à gauche, avec très rapidement une infection avec du Klebsiella, du pyo, de l'entérobactérie cloaquée, je pense. Et donc très vite, en fait, malgré les antibiotiques, les opérations, eh bien il y a eu une infection qui est devenue assez difficile à contrôler. Et donc, on a fait appel à nous. Et donc là, c'est par contre des phages de Eliava, parce qu'on n'avait pas de phage anti-Klebs qui était sensible aux deux Klebsiella de cette jeune femme. Et on a fait, comme je vous l'ai dit, une adaptation pour maximiser la sensibilité de ces phages par rapport aux bactéries de cette jeune fille. Le problème, c'est que ça a été difficile de les lui administrer. Donc, on a attendu, je pense, plusieurs mois avant d'être capable de leur donner, parce qu'il y avait des problèmes au niveau éthique, etc. Donc l'équipe n'était pas, tout le monde n'était pas d'accord d'utiliser les phages. Mais finalement, on est arrivé à une impasse thérapeutique telle, parce que malgré les greffes, malgré les multiples opérations, après vous voyez presque 2 ans, mais en fait on s'en sortait pas. Il y avait toujours une infection vraiment qui menaçait en fait cette jeune personne. Et donc finalement, on a pu donner les phages localement durant une opération et pendant encore 6 jours, évidemment avec avec d'autres traitements. À ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu que le phage qui était résistant, donc au départ, je crois qu'il était MDR, après, au bout de ces 700 jours, il était devenu PAN-DR, donc il était résistant à tous les antibiotiques. Et par chance, on a pu voir que les phages qui ont été utilisés étaient les phages qui ont été adaptés, étaient encore sensibles à entre guillemets, à cette souche qui avait eu le temps en 2 ans de muter. Ensuite, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a regardé, en fait, on a créé in vitro un modèle de biofilm, et puis on a mesuré l'activité des antibiotiques, plus ou moins en combinaison avec les phages. Et puis, on a pu montrer qu'il y avait une synergie, mais pas avec tout, par exemple avec la colistine. Vous voyez qu'on n'a pas de courbe ici, on n'a pas vraiment de synergie. Donc il n'y a pas d'antagonisme, mais il n'y a pas de synergie. Par contre, on avait de la synergie avec le meropénème et le ceftazidime avibactam. Donc voilà, ça c'est pour expliquer que l'importance de l'adaptation des bactériophages dans ce cas précis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a séquencé le phage après entraînement et avant entraînement, et on a trouvé qu'il y avait une mutation sur un récepteur, en fait, de nouveau, sur la partie distale du phage. Et donc, on pense que c'est peut-être grâce à ça, en fait, que le phage est devenu de plus en plus efficace et contre cette bactérie. Voilà. Donc, notre conseil, c'est d'utiliser les phages en synergie avec les antibiotiques. Ça reste un outil additionnel. On ne veut pas remplacer les bactéries. Il faut sélectionner les phages, les entraîner quand on a le temps, quand c'est possible. Comme vous avez compris, c'est une thérapie qui est vraiment spécifique. Et il faut pouvoir essayer de développer des cocktails quand c'est possible pour diminuer la possibilité de voir l'apparition de mutants résistants.
Et ne pas oublier que grâce au phage, comme dirait Sabrina Green, une chercheuse, on peut essayer to make the antibiotic great again. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain? Ben, il y a une étude prospective observationnelle menée par le VUN qui s'appelle Phage Force et qui s'intéresse aux infections musculosquelettiques difficiles à traiter, aux sepsis et aux infections ORL. Donc, ils sont toujours en cours. Il y a d'autres protocoles, par exemple STAMP en Australie, mais là, on est plutôt dans des thérapies de secours. On n'est pas vraiment dans des inclusions de patients de manière systématique. Vous avez compris que la phagothérapie, c'est un traitement personnalisé, mais du coup, c'est vraiment très, très compliqué. Donc là, vous voyez tous les allers-retours de phages, de bactéries, enfin d'échantillons bactériens. Enfin, tout ça est très, très complexe. Et donc, le futur, mais ça, c'est peut-être Jean-Paul qui va vous en parler le mieux, parce que lui, il s'intéresse évidemment déjà à ça, c'est de pouvoir fabriquer des phages synthétiques en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, on pourrait imaginer d'avoir une banque génomique de phages qui sont particulièrement intéressants. Puis vous avez votre échantillon bactérien, vous le posez, et puis tout d'un coup, on va vous sortir en quelques heures seulement un phage synthétique. Voilà. À l'instant. Voilà. Donc, par exemple, dans des situations d'urgence, vous avez une épidémie de colis. Pourquoi pas? Et donc ça, c'est... Bon, désolé pour l'image un peu dure. C'est des images de patients post-attaque, des patients qu'on a reçus à l'hôpital militaire. Donc vous voyez que tous ces patients-là, évidemment, ils sont très enclins à avoir des bactéries multirésistantes. Donc le futur, c'est quoi? Ben, c'est d'encore pouvoir déterminer les bonnes indications pour les phages, de standardiser nos protocoles de traitement, de pouvoir à la fois rechercher l'évidence par des RCT quand c'est possible, mais de pouvoir continuer quand même cette espèce de processus qui nous permet en même temps d'apprendre et de pouvoir aider des patients qui en ont déjà maintenant besoin, qui ont déjà maintenant besoin de phages. Il faut pouvoir considérer vraiment cette espèce de trouble, j'ai envie de dire, entre les phages, les bactéries et le système immunitaire. Il faut pouvoir aussi parler de pharmacokinétique, dynamique, quel est le meilleur MOI qu'on doit pouvoir utiliser, les phages synthétiques, et puis discuter des problèmes avec les pharmacies, parce qu'on en a malheureusement de plus en plus. Voilà, c'est terminé. Désolée Bien. d'avoir trop parlé, Merci. probablement. Merci, Sarah. C'était vraiment très, très intéressant. Tu peux supprimer ton partage d'écran. Voilà. Et alors, parfait. On te voit en grand là maintenant. Ouf. Alors, question, commentaire. Alors, Yves de Galler. Merci beaucoup. Donc, j'ai une vingtaine de questions scientifiques que je vais peut-être réduire à une. Très scientifique. Qui paye tout ça? Qui paye tout ça? La défense. Pour le moment, c'est la défense qui paye tout ça. Il y a une firme pharmaceutique qui s'appelle Vesal Pharma qui est en train d'essayer d'obtenir des moyens de produire des phages en collaboration avec l'hôpital militaire. Mais pour le moment, c'est pas encore très actif. Il n'y a pas encore de choses très nouvelles à vous annoncer là-dessus. Mais pour le moment, oui, c'est le public. Et en tout cas, c'est la défense. Ok, ben voilà. Sophie, Tant mieux. tu peux. Ouais, vous m'entendez Alors, comme ça? oui. Oui, bah moi aussi j'ai une vingtaine de questions, mais je vais aussi me réduire à une question. Je voudrais savoir comment vous déterminez la dose de phage que vous administrez, si c'est dépendant du site, du germe, enfin j'imagine, mais voilà, bon, en tout cas ça m'intéresserait de savoir. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Donc, concernant les doses de phage qu'on utilise. Alors, en fait,
ça va vous paraître assez étonnant. Donc, les données qu'on a et ce qu'on utilise pour le moment, ça vient des protocoles d'Eliava. Donc, il ne faut pas oublier que y a 100 ans d'expérience avec les phages. Donc, c'est clair que, entre guillemets, nous, on redécouvre la phagothérapie, on fait des ajustements, mais en tout cas, pour la plupart de nos protocoles, ils viennent en fait de l'expérience en fait de Eliava, et on a la chance d'avoir une chercheuse avec nous qui, elle, a travaillé avec l'Institut Eliava. Et voilà, donc pour le moment, c'est ça. Mais c'est clair qu'on a besoin d'avoir des données. Par exemple, quand je parle de savoir, ben, au niveau pharmacokinétique, au niveau pharmacodynamique, comment se comporte quand on donne des phages, le titre de phage, au niveau sanguin, quel est le bon ratio phage-bactéries, pardon, dont on a besoin. C'est des questions qui sont très complexes parce que, par exemple, on va se dire que si on maximalise ce ratio phage-bactéries, on va avoir un meilleur résultat. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point, en fait. Ça, c'est ce qu'on voit. Et en plus, ça veut, entre guillemets, c'est pas que ça veut rien dire, ce concept de MOI, mais on sait que c'est pas parce qu'il y a des phages qui s'adsorbent que forcément ils vont pénétrer la bactérie et initier un cycle de réplication. Et parfois même, on pense que si on a des concentrations trop élevées, on va avoir un phénomène de lysis from without, où on va lyser la bactérie, mais on va pas donner le temps nécessaire à la bactérie d'intégrer, pardon, au phage d'intégrer, pardon, la bactérie et d'initier un cycle de réplication. Et donc tout ça, pour ça, en fait, on n'a pas de réponse, pour être très honnête. Mais actuellement, vous adaptez au poids et au site infecté, ou Oui, actuellement, oui. comment vous faites? Donc oui, par exemple, au niveau intraveineux et pour le petit patient dont on a parlé, Oui, c'est donc pour oui, ça. là, on est... Ouais, là, on est à du 0,5 à 2 millilitres par kilo, par exemple, en intraveineux. Oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Pour les synergies antibiotiques-phages, les antibiotiques avaient été testés sans le phage et donc le germe était résistant à l'antibiotique et néanmoins tu récupères une synergie avec un antibiotique auquel la bactérie ne répondait pas. Non, alors ça, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, il y a à la fois ce phénomène où, par exemple, donc, on a, imaginons, une bactérie avec un pIO qui est quinolone résistant, OK, et on a un phage, on le met en contact, donc le phage va, comment dirais-je, va agir jusqu'à un certain point, puisque la bactérie et le virus mutent, et comme je l'ai dit, c'est une course entre les deux. Et donc, à un moment, forcément, on va voir apparaître probablement des phages qui sont résistants, pardon, des bactéries qui sont résistantes à ce phage. Mais quand on regarde ce mutant, donc cette bactérie mutante, il est probable, et parfois ça arrive, et on l'a vu par exemple chez certains de nos Elle patients. redevient sensible. Exactement, il redevient sensible. Et ça, c'est parfois quand, par exemple, le phage utilise comme récepteur les pompes à efflux ou le DNA gyrase ou d'autres choses. Et donc, on voit que quand il y a une mutation sur ces sites, ben, parfois, ça rend OK. Donc ces ça veut dire qu'en cours de mécanismes traitement, ça résistants. vaut la peine de reprendre des échantillons et de Tout à fait. retester Tout la à fait. sensibilité aux antibiotiques. Et alors ça, c'est quelque chose aussi, je veux juste faire un appel parce que c'est vraiment important, mais voilà, c'est aussi compliqué parce qu'on n'est pas dans des cadres d'études. En fait, on a besoin d'échantillons, nous, pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir voilà, avoir ces phénomènes de coévolution, voir comment est-ce que le titre de phage évolue, etc. Et ça, c'est évidemment quelque chose de parfois un peu compliqué parce qu'on n'est pas dans le cadre d'études. OK. Grand silence dans l'Assemblée. Tout le monde est On est endormi. béat d'admiration de cette technique nouvelle. OK. Peut-être à l'extérieur, d'autres questions, commentaires? Jean-Paul est là, hein, si vous avez des Oui, questions s'il a pour un le commentaire mental. final à... On vous écoute. Jean-Paul est là. Ah, non, c'est juste pour dire bonjour. S'il n'y a pas de questions spécifiques pour moi. OK. Bien. Mais voilà, alors, si Jean-Paul Pernet nous dit bonjour, nous on dit au revoir. On te remercie encore pour l'exposé. On prépare des échantillons futurs, généralement à partir des usines où se collectent les malades avec des germes fort résistants. Et à la semaine prochaine.